Une date, un lieu. Cette fois-ci, c'est un peu particulier. Le lieu est particulier, c'est un site majeur. Et puis, euh, la forme est particulière, puisque aujourd'hui, nous sommes toujours, comme d'habitude, avec Stéphane Orsine de la FAGEC, mais nous sommes en direct. Stéphane, bonjour. Bonjour, Yann. Bon, en gros, d'habitude, je dis un peu des bêtises au niveau archéologique avec Stéphane, et on a le temps au montage, c'est vrai, d'arranger tout ça. Donc là, il ne faudra pas m'en vouloir. Je vais sûrement dire des bêtises, mais le chef est là, il, il va me remettre dans le droit chemin. On est. Euh, alors, on ne se rend pas compte. Parce qu'il euh, y a quelques modifications, mais là on est vraiment, on va dire, allez, sur le boulevard. Alors on est dans, dans une des rues euh, de la ville, du site de Marianne, cette ville créée euh, au cours du 1er siècle, durant l'Antiquité. Alors si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait, mais si vous ne connaissez pas ce site, le site de Marianne, on est, on est où à... D'abord, on est sur la commune de Luchan, on est à une quinzaine de kilomètres au sud de Bastia, et on est tout près de l'aéroport de Bastia-Poretta. Et le site est ouvert au public, Bon, même s'il faut faire attention, il ne faut pas dégrader, mais vous pouvez, on peut visiter... Ah oui, C'est un accès libre et gratuit en attendant la construction de l'autre côté du site de, du futur musée de, de Marianne, le musée archéologique. Je disais on est on est sur boulevard, en fait, oui on est dans à l'époque dans, dans la voie commerçante, il y a ici il y a des échoppes de part et d'autre. Oui, les archéologues, lorsqu'ils ont découvert l'endroit, on appelé ça la, la rue à portique. Hein. Donc c'est une espèce de, de rue à portique ou de rue à boutique. Alors, le lieu, vous l'avez compris, site de Marianne, par contre, la date, elle est essentielle, c'est le... Alors, la date, elle est essentielle. Il y en a beaucoup, hein, des oui. dates concernant Marianne, mais moi, celle que je retenais aujourd'hui, elle est particulière, c'est 1951, le printemps 1951, parce que c'est l'arrivée euh, sur les lieux de Geneviève Mourakini-Mazel pour la première fois. Et c'est elle qui, en, en voyant l'endroit, va décider d'entreprendre de, des fouilles et de découvrir finalement tous les vestiges que l'on voit aujourd'hui, en grande partie. Elle, elle arrive ici, elle, au départ, bon, euh, l'idée, c'est... À, par rapport à, à la cathédrale, de se dire, il doit y avoir quelque chose. Alors à l'époque, il faut savoir qu'elle est jeune étudiante, elle prépare sa thèse et elle vient en Corse pour voir s'il y a un potentiel, alors sur un sujet particulier, qui sont les églises romanes. Mm -hmm. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle vient à Marianne, puisqu'on est donc tout près de la, de la grande cathédrale euh, du diocèse de Marianne. Elle, elle visite beaucoup d'endroits, mais notamment celui-ci en particulier. Et... Peux... Excuse-moi, Stéphane. Oui, je sais. Certains vont dire, pour une cathédrale, c'est moins. Gigantesque tout que certaines relative. cathédrales, tout est relatif, mais pourquoi c'était une cathédrale Parce que c'était le siège, le siège du diocèse. C'est le siège du diocèse. Ici, donc, ce, ce diocèse, c'est il représente en gros le nord-est, le nord-est nord de la Corse à l'époque, c'est-à-dire durant la période paléochrétienne, et puis encore au cours du Moyen-Âge, il y a cinq à six diocèses. Donc, la, la Corse est séparée en six grands territoires, et au, au milieu, le, 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 le chef-lieu de la circonscription ecclésiastique, c'est la cathédrale. Donc, ici, c'est Marianne, comme à Lire, Sagonne, et Saint à Sagone, Saint-Florent, Ajaccio, euh, euh, où le petit petit diocèse qui est là-haut dans les montagnes d'ailleurs on voit le San Pedro en est d'ici euh, allez juste pour la petite blague personnelle un diocèse qui restera ici pendant très longtemps qui fera un petit tour dans la montagne vers un village que tu connais bien puisqu'il est passé par... Euh... Ah, il est passé par la Casinque, par Uiscuad, qui est donc l'évêché, parce que temporairement, pour des raisons de sécurité, de salubrité, l'évêque va se transporter dans ce petit village euh, de Casinque avant que bien sûr Bastia se, se, se structure, soit une véritable ville. Et donc après il y aura un transfert au XVIe siècle du siège épiscopal vers Bastia. Donc là en fait à l'époque on est dans une dans des habit là on est dans les habitations en gros dans la ville alors là on est dans une partie on est dans le on va dire le, le, le coin euh, sud-ouest de la ville qui fait peut-être une dizaine ou une quinzaine d'hectares et là ce qu'on voit ce sont donc les parties basses euh, des des maisons donc probablement beaucoup de des shops beaucoup de magasins des artisans euh, des revendeurs euh, en tout genre il y a euh, une citerne où on peut voir par exemple euh, euh, on peut imaginer qu'il y avait peut-être du vin ou de l'huile hein, qui était stocké, et probablement peut-être des maisons avec un étage, avec les habitations euh, au-dessus. Voilà. Et puis, surtout, ce sont des rues, euh, comme sur les grandes villes romaines, ce sont des rues qui, se, qui sont perpendiculaires et qui se coupent à angle droit, parce que c'est un plan euh, très, très. Euh, New Yorkais. New Yorkais, oui, orthonormé, hein, donc avec des axes précis hein, qui permettent l'agencement euh, des différents quartiers de, de la ville. On est dans les quartiers de la ville, et comme souvent, quand il y a des habitations, quand il y a du monde, quand il y a. Eh bien, il y a souvent la religion qui arrive. Et donc, chronologiquement, on peut penser que suite à, à, ces, à cette vie qu'il y avait ici, il y a... Alors chronologiquement, la ville existe officiellement depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a eu probablement des temples, une série de temples. Tout le panthéon romain a peut-être été honoré, soit de manière, on va dire, civile ou de manière privée dans chacune des maisons par les habitants de cette ville qui au départ sont des vétérans des armées, des légions romaines. C'est un peu comme dans le cadeau de César d'Astérix et Obélix. Il faut un peu imaginer ça. Et puis au fur et à mesure que la ville se développe et que les cultes nouveaux arrivent, eh bien les gens les adoptent ou pas. Alors, et... Excuse-moi, tu parles de temple, c'est vrai que puisqu'on est ici et que ça a défrayé un peu la chronique, euh, le temple dont on pourrait parler, il est juste là derrière. C'est le fameux temple Le temple dédié à, à Mitra. Alors, c'est un temple qu'on a euh, découvert euh, cet hiver hein, à l'occasion de travaux euh, d'aménagement. Attention, ça, c'est la fameuse cuve. Hein, la fameuse... Il parlait tout à l'heure, Stéphane parlait d'une cuve où on stockait soit de l'eau, euh, oh, soit, soit du. plutôt du vin, vin Ou de l'huile, ou peut-être de l'eau. Hein. C'est une cuve, une cuve réalisée en briques, hein, une citerne plus exactement, réalisée en briques et avec un, un système d'étanchéité. Là, c'est un petit peu sale, mais au fond, il y a même un, un système qui permet le, le, le nettoyage hein, et le, la, le, la vidange de, de cette cuve. Alors, peut-être ici, on est dans une cave ou, ou dans un endroit où on vendait de, de l'huile, on peut imaginer peut-être des amphores remplies à adosser le long des murs voilà. et les gens euh, font, euh, donc vont et viennent dans la rue et peuvent entrer dans, dans les magasins pour acheter euh, ce dont ils ont besoin. Juste pour vous dire, puisque nous sommes en direct, je prends mon téléphone, euh, puisque nous sommes en direct, sachez que vous pouvez réagir euh, en direct, nous poser des questions et tout à l'heure j'irai voir euh, notre ami Laurent simon Poil pour voir si, si vous avez des questions pointues à poser à Stéphane Orsigne. On reprend notre chronologie. Le temple dédié à... Le temple de, de, de dédié à Mitra, euh, c'est un temple qui a été mis au jour dans le cadre d'opérations d'archéologie préventive par l'INRAP puisqu'ici il y a un projet de déviation de la route hein, pour bien aménager tout le site archéologique et le mettre en lien avec le futur musée qui est en construction de l'autre côté de la route. Et à cette occasion, on a trouvé donc des constructions et on a reconnu, grâce à différents éléments, notamment des, des éléments de sculpture, qu'on avait affaire à un temple de Mitra. Donc Mitra c'est un, un, une, une, une divinité qui nous vient plutôt euh, donc de, 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 du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et euh, c'était quelque chose d'assez d'assez euh, confidentiel. Hein. C'était souvent les légionnaires hein, qui étaient... Euh, qui étaient euh, 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 un petit peu en adoration de ce Dieu. Hein. Mais c'est ce qui est important, c'est qu'on prépare, on est déjà dans du, dans du monothéisme, donc on ne croit plus qu'à un seul Dieu. Ça prépare l'arrivée du christianisme. Alors, le temple Mitra, on est déjà dans le début du monothéisme. Oui. Et derrière, euh, bah, du coup, la fin des temples, c'est. Alors, euh, on sait par les documents dans tout l'Empire qu'à la fin du 4 siècle, euh, alors il y a déjà au début on persécute les chrétiens, ensuite il y a cohabitation un petit peu de tous les cultes, et puis vers la, vers la fin du 4 siècle, carrément, on décide, les, les empereurs décident de fermer euh, les temples, on ne va plus honorer euh, que... Euh, Ou construction de Alors, construction de la, la cathédrale, euh, de la basilique plus exactement, paléochrétienne. Paléochrétienne, ça veut dire des premiers temps euh, du christianisme. Alors, on avait la datation donnée par Madame Morakini-Mazel, c'était fin 4e, début 5e. Maintenant, je pense que tous les chercheurs sont d'accord sur cette chronologie. Elle n'avait pas, elle, découvert, elle n'avait pas été euh, en fouillant jusqu'à l'endroit où se trouve le temple de Mitra, mais elle a écrit plusieurs fois que, justement, euh, l'apparition de cette église paléochrétienne correspondait bien à la fin, probablement, de la fermeture des temples, dont celui de Mitra. Alors, regardez visuellement, Laurent, mon ami. Regardez. Pour qu'on comprenne les, les, les couches les unes après les autres. Le, le temple était juste là-bas derrière. D'accord, bon, on, on ne peut plus le voir. Mais là, on, on voit vraiment le parallèle entre euh, cette période paléochrétienne. Ici, en fait, si on fait le. le la comparaison, on a exactement la même chose qu'on retrouve sur, sur la cathédrale. Alors, en attendant, euh, des dessins, hein, des, des, ou même de la représentation 3D avec des applications smartphone qui vont pouvoir euh, aider les visiteurs à bien comprendre le site. Eh bien, on peut imaginer comment se présentait la basilique palo-chrétienne en regardant la basilique romane du Moyen Âge, parce que c'est à peu près les mêmes dimensions et à peu près la même physionomie, comme tu l'as dit, Yann, avec une partie arrondie qui est côté est. On le voit bien ce matin avec l'éclairage. Elle est là. Elle est là. Elle est là. -bas. Elle est, elle est de, surtout de ce côté derrière nous. Mmh. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle l'apsi. Et puis euh, devant nous, et en parallèle on a l'exemple de la cathédrale romane, on a les trois nefs, parce qu'on a un plan basilical, donc une nef centrale comme sur le bâtiment roman médiéval euh, assez haute, et puis deux nefs latérales. D'ailleurs la nef latérale, on, la, on, on la voit là, Laurent est dessus. Voilà, est ça c'était... Voilà, il y avait des, des piliers tout le long. Et puis des bases en marbre, on les voit, des bases en marbre blanc. Mais à coup part, Stéphane, je vais dire qu'il y a une horreur, je ne suis même pas baptisé. C'est alors l'heure. Alors on n'a pas pris le bon chemin. Parce Mais, que, euh, alors, normalement, quand on n'était voilà, pas baptisé, on va vous dire la vérité à l'époque, il y avait un circuit. On arrivait, alors attention, il y a des, des barres, on arrivait de, de l'autre côté. Et en fait, Stéphane, tu vas me dire si je n'ai pas de bêtises ici, je vais faire l'entrée. Euh, et à l'époque, on, on baptisait beaucoup les adultes. Donc, je vais faire l'entrée du baptisé euh, version adulte. Viens, viens avec moi. Alors je ne sais pas si j'ai la tête du, du paléo-chrétien. Par contre, toi, la tête de l'évêque, on n'est ouais, pas sûr non, non plus. Non, non, Donc, on arrivait ici. On n'était pas baptisé, on arrivait de ce côté. Voilà. Alors là, on, est dans, 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 on va suivre le circuit qui permet donc d'accéder à la nouvelle religion à laquelle on adhère, hein, parce qu'on adhère normalement de manière volontaire. On renonce à toutes les autres et on, on se consacre donc au christianisme, pour pouvoir avoir accès, bien sûr. à ça. C'était plus euh, ou moins volontaire. Hein on pouvait être un peu traîné. Euh, donc, pour pouvoir avoir accès, bien sûr, euh, à la basilique. Parce qu'en fait, on, peut, on parle de complexe romain, parce qu'il y avait plusieurs bâtiments euh, de l'époque romane la basilique, le clocher, un bâtiment qui a disparu aujourd'hui qui était le panier canonial d'où le nom de canonica et peut-être un baptistère roman et c'est la même chose à l'époque paléochrétienne donc à la fin de l'antiquité on a la basilique qu'on a décrit sommairement on a le baptistère et donc tu vas on... me baptiser oui, ou non oui on va y aller donc alors ce baptistère <laughs> on rentre là, il a un plan euh, on a du mal à se rendre compte là mais quand on prend un peu de hauteur c'est un plan euh, cruciforme hein, on voit quand même euh, euh, hein, quelque chose qui ressemble à une croix et au centre de cette croix se trouve la cuve ou plutôt les cuves baptismales parce que c'est un bâtiment qui a vécu longtemps et donc plusieurs siècles et on l'a on transformé et là par terre on voit la, les traces de la première cuve qui elle aussi est cruciforme voilà. et donc dessus ici il fait... y avait il euh, y avait le, le, le baptême alors le baptême pour adultes par au départ, immersion. par immersion. On plonge, hein, on a des adultes. Il faut imaginer aussi des colonnes avec un baldaquin, euh, toute une décoration. Là-bas, euh, une banquette voilà, où, se tiennent, où se tient peut-être l'évêque avec, avec les gens qui. Il va faire l'évêque. Donc, tu es l'évêque. Moi, j'arrive, je suis ici. Je plonge dans cette cuve. Toi, tu étais assis. Il y a, il y a un petit escalier. Hein. Au départ, là, la cuve est rehaussée. Mais au départ, la cuve est un petit peu plus basse. Il y a un escalier. Hein. On pénètre euh, dans la, la cuve bastismale qui est en, en, un petit peu en sous-sol par rapport à celle qu'on voit. Euh, et là, il y a tout toute un cérémonial, toute une liturgie. Euh, et... Pourquoi elle a été rehaussée Parce qu'au départ, comme on a des générations entières qui, qui vénéraient euh, Mitra, et il a fallu, alors on a commencé par les générations des adultes. Une fois que tous les adultes. Sont rentrés entièrement là-dedans. On s'est dit, c'est bon, maintenant on va faire les enfants. Et du coup, les enfants, c'est un peu plus. Il faut remonter l'ensemble. Le, il y a d'abord cette, cette obligation-là. Hein. On ne baptise plus le même public. Au début, c'est vrai, ce sont des adultes. Ensuite, on va avoir des, des sujets plus jeunes. Et puis, on va surtout avoir une évolution, une évolution dans les rites. Et puis, on va avoir ce que Mme moraki a mis en évidence et que les travaux futurs vont peut-être reprendre, euh, reprendre, affirmer, confirmer. C'est que c'est aussi ces monuments euh, paléochrétiens. Ils ont été détruits, reconstruits du fait des invasions. Là, on, on a parlé de la fin de l'Antiquité. Donc, euh, tout, tout, tout arrive en Corse, les Vandales, euh, les Lombards, euh, tout le monde arrive. En général, il y a conquête militaire, il peut y avoir euh, des, des fois différentes, même si ce sont des chrétiens. Et donc ces gens-là, peut-être, euh, réalisent des destructions, et puis après on reconstruit quand ça va mieux derrière. Donc tous ces états-là entraînent les destructions, entraînent des reconstructions qui sont plus ou moins bien réussies. Et ça explique aussi l'évolution euh, du, du baptistère. Quelque chose de très très beau qu'on ne voit pas là. Excuse-moi, juste pour dire ça y est euh, on vient d'être baptisé et du coup comme on est rentré de ce côté par l'ouest et on a été baptisé là on peut sortir de ce côté pour rentrer dans, dans alors on rentre dans une des nefs donc la nef latérale euh, de l'église si tu es baptisé tu as le droit de, de pénétrer de bon. suivre les, les, les offices à, à l'intérieur je t'ai coupé tu allais dire J'allais dire qu'un des éléments qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on verra qui sera très bien mis en valeur dans le futur musée de site, c'est le décor, le premier décor, le pavement mosaïqué qui est exceptionnel du baptistère, exceptionnel parce qu'il y a des représentations qui sont très très belles. On voit les, les, les têtes des, des fleuves du paradis, il y a des, des animaux, et puis il y a aussi des très belles, il reste des très belles mosaïques à l'intérieur de la, de la basilique palochrétienne qui, elles, ont été enlevées pour être conservées, qui seront exposées dans le futur musée, dont un décor très particulier. Qui se trouvait euh, au pied de l'hôtel. Il y a un podium, hein, on, peut le, on va le voir maintenant quand on va passer. Donc euh, dans cette partie-là, euh, côté cœur, côté il, il y a un podium, donc une estrade surélevée où se tenait euh, l'évêque lorsqu'il officiait. Et au pied de, au, au pied de, enfin, sur ce podium, il y avait des décorations en mosaïque. Et au pied de l'hôtel, euh, Madame Moacchini-Mazel, quelques années après le début de ses fouilles, à la fin des années 50, au début des années 60, elle découvre ces, ces mosaïques qui se trouvent là, sur cette espèce de de, 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 donc, d'estrade hein, en bétonné on va dire, hein, hein, ce qu'on appelle un podium euh, le, les restes de l'hôtel ce sont ces grandes pierres hein, qui, sont, qui sont fendues là-bas et là devant, il restait quelques éléments aujourd'hui on ne les voit plus, hein, ils ont été enlevés pour, pour conservation, comme on l'a dit tout à l'heure on voyait la patte d'un lion on voyait la, la tête d'un bœuf et puis de la paille et puis une petite inscription en latin et on a pu euh, reconstituer l'inscription qui est très bien connue. Elle fait partie euh, de, de, des écritures saintes et elle dit euh, Leos et Bos euh, Paleas Manduka Ça veut dire. Voilà, ça veut dire. Ça veut dire un jour. Donc c'était la représentation d'un pays parfait, en tout cas d'un monde parfait où euh, le lion et le bœuf mangeront la paille ensemble, au lieu de que le lion dévore le bœuf, ils mangeront la paille ensemble. Voilà, tout un vrai. voilà la, la paix de Dieu. C'est vrai que. Avec... Le les événements actuellement, si on pouvait y arriver, ça ne serait pas plus est mal. Également de, de dater, parce que c'est une écriture qui est particulière, qui est une écriture qu'on retrouve dans les, dans, dans, les, dans les écritures saintes, mais sous cette forme-là, euh, c'est une écriture dite archaïque. Et c'est en Occident, pour l'instant, un des seuls exemples. Donc ça donne encore euh, l'intérêt. Hein, et et le, le, tout à l'heure, en introduction, tu parlais d'un site majeur. Et bien ça, c'est un des éléments euh, qui font de, de Marianne un site majeur. Alors pour l'époque paléochrétienne, mais on le voit aussi pour le culte de Mitra, puisque les, les temples dédiés à Mitra ne sont pas si nombreux que ça pour l'instant euh, par rapport à, à ce qui a été mis au jour. Et puis, il reste tellement d'autres choses à découvrir. Il reste tous les éléments euh, de l'époque euh, impériale hein, qui sont plutôt de l'autre côté du site, mais ils ne risquent rien puisque c'est propriété de la mairie et donc ce sont les, les développements futurs euh, du site euh, archéologique. Pour toutes les personnes qui croient que je snob Stéphane Orsigne parce que je suis sur mon téléphone pendant qu'il parle, ce n'est pas du tout cela. On est en direct, on est sur la page Facebook de Viastel et du coup j'en je, profite, je regarde un peu les commentaires. Euh, Patrice Bonnel. Oui, Patrice Bonnel, Tiens, que tu, a priori que tu connais. Tu es un ami Facebook, il me semble, oui, de, de la FAGEC et de, et de mon profil. Il faudrait peut-être appeler le futur musée. Geneviève Mouraki-Nimazel, elle a tant fait pour l'archéologie ancienne. Alors c'est vrai, euh, il y a eu quelques années, euh, il y a eu une vive polémique à ce sujet. Euh, alors le, le, le musée de site s'appellera euh, euh, Régnier 3, euh, c'est son nom. Euh, par contre, par délibération, euh, la municipalité de Luchan euh, fera de la salle, il aura donc l'exposition permanente, c'est-à-dire celle qui ne bouge jamais, la salle Mouraki-Nimazel, Geneviève Mouraki-Nimazel. Vous voyez, elle ne sera pas oubliée, Patrice. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a aussi euh, des questions concernant euh, euh, la route... Euh, le projet. C'est vrai que c'est un site, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais c'est un site qui a défrayé la chronique depuis. Ça fait combien qu'on qu a des problèmes avec ce site, entre guillemets. L'affaire de la route, hein, qui est simplement une, une histoire de voirie, euh, ça doit faire une quarantaine d'années que, que les différents acteurs essayent donc de, de pouvoir faire un tracé hein, qui permette de, de valoriser, d'étudier, de valoriser comme il se doit euh, le site. Bon, manque de chance euh, sur le, le, le tracé, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le tracé de la nouvelle route en préparation, on a trouvé encore des vestiges. Mais ici, c'est un peu normal. A priori, hein. c'est sur combien d'hectares on, on, on va faire un dernier tour sur la nef centrale. Euh, l... Plutôt, par les... Plutôt par là, je vous l'avais dit qu'à un moment donné, j'allais me louper. Euh... La la surface, on a une idée de, de la surface que qu on, pourrait euh on estime à 15 à 20 hectares la, 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 la surface de la ville et ça permet aussi de faire des estimations. Alors il y a, là, il y a des estimations raisonnables, des estimations folles sur le, 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 le nombre d'habitants. On estime raisonnablement, il faudrait l'estimer peut-être à 4 ou 5 000. Il y a des gens qui ont des chercheurs qui ont estimé ça à 30 000. Ça me semble exagéré. Donc ici, il faut quand même voir une ville importante hein, pour l'Antiquité et une ville importante pour la, pour la Corse. C'est la ville qui est présente ici, c'est l'agglomération, mais il faut penser aussi à tous les établissements. En pleine de Maran, ils sont nombreux, en pleine de Casique, qui sont directement liés à la ville. Donc ça fait quand même une, une urbanisation euh, assez forte, plus ou moins lâche selon les endroits, mais quand même une urbanisation assez forte, avec une voie romaine. On est, euh, on est sur la nef latérale nord. A noter, tiens, juste pour, pour l'anecdote, tout là-bas, il y a un arbre immense. Eh bien juste pour, puisqu'on parlait d'elle, juste pour l'anecdote, cet arbre.. Il ah, a été planté par Mme Moraquine Mazel au, au début, enfin pas au début des fouilles, parce qu'à ce niveau-là, elle était déjà descendue à un niveau assez bas, mais dans le courant des, des, des premières années euh, des, des chantiers archéologiques, dans les années 60, ici, euh, sur le site. Regardez, la nef latérale nord, on était tout à l'heure de l'autre côté sur la nef latérale sud, et juste entre les deux, ben, c'est l'évidence, Stéphane, oui. on la voit. Alors, on a dit que l'entrée était... Euh, était gratuite et libre, euh, ça n'empêche qu'il y a des zones où il vaut mieux. Ne pas trop aller. La nef centrale n'est pas accessible. Il y a des petits grillages, ben, normalement. Il y a des petits grillages. Bon, d'abord, sur un site archéologique, on ne marche pas sur les murs. Hein, et, et ensuite, oui, il y a des zones qui sont plutôt à déconseiller. Il vaut mieux se tenir dans, dans la rue centrale à portique, comme on l'a vu, et s'approcher euh, donc sous, sous l'arbre, pénétrer entre les maisons, mais ne pas, ne pas trop rentrer à, à l'intérieur, parce que d'abord, d'une part, on dégrade, et puis on pourrait, on pourrait se blesser. En attendant, une, une valorisation, là aussi, beaucoup plus poussée euh, du site, euh, parce que là, c'est encore un site qui est en en travaux archéologiques, on peut dire on en a encore pour, pour combien de, de fouilles ici si on y allait c'est même pas mesurable en fait ça dépend aussi de la structure qu'on a si on a des fouilles épisodiques euh, de temps en temps en fin d'été on va mettre des siècles par contre euh, quand on était un petit peu plus, plus jeune et plus engagé on avait envisagé de faire un centre de recherche c'est un des volets euh, du, du futur musée de site hein, de pouvoir avoir euh, un, un musée certes mais un musée c'est peut-être une structure un peu morte il faut quelque chose qui l'anime donc euh, une activité avec des acteurs, pas simplement que des chercheurs locaux, avec des acteurs méditerranéens et européens. Et à ce moment-là, on pourrait quand même aller vite et il faut prioriser de toute manière. Tous les quartiers vont se ressembler. Il faut chercher, hein, sonder le terrain comme ça a déjà été fait avec de, des méthodes géophysiques, des radars du sous-sol et on, on cherche les éléments les plus intéressants. On peut chercher, comme je disais tout à l'heure, la zone publique centrale avec la place, le forum, comme à lire On ne l'a pas encore mis au jour ici. Les temples ou peut-être les thermes ou peut-être d'autres activités, des activités portuaires parce qu'on a ici, tout près de nous, le cours du Golo. Et on, on a émis l'hypothèse que la ville de Marianne avait probablement deux ports euh, maritimes, un port économique euh, et un port plutôt militaire. Peut-être qu'il y avait du transbordement avec des grosses unités au large, et puis peut-être qu'il y avait des bateaux, des caboteurs, hein, avec des, 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 des jauges moins importantes, qui remontaient le Golo, qui est quand même assez navigable jusqu'ici, et qui débarquaient au pied de la ville, dans le cadre d'un port euh, euh, fluvial, euh, toutes les denrées, et puis peut-être qu'ils en embarquaient pour repartir vers, vers, vers des, des zones où, où les produits de la région pouvaient être et puisque, ça tombe bien puisque tu parles de bateaux, eh, il y a eu beaucoup de, de, de changements hein, au niveau de, de, de la géographie de, de cette zone depuis des siècles et des siècles. Il faut imaginer quand même que pas très loin, là-bas, à l'époque, eh il y avait la mer. Oui. Alors, euh, la question de l'évolution du littoral, c'est une question d'actualité. Et il faut savoir que depuis l'Antiquité, on a gagné environ 600 mètres euh, de trait de côte. Hein. Donc, euh, il y a eu une avancée des terres. Aujourd'hui, il y a certains endroits où il y a de forts reculs, mais on est toujours en bénéfice. Et euh, dans ces zones-là, dans ces zones, on va dire portuaires, c'est aujourd'hui qui sont des zones humides ou le long des canaux, on a fait des découvertes assez exceptionnelles. Tiens, quelle coïncidence Oui, juste là, il y a les Fameux canaux qui avaient été mis en place à l'époque de Louis XV, Louis XVI. Et à l'époque, ils envoient des, des, des géomètres, des, des gens, mon gros, pour faire le, le repérage, le cadastre, mais aussi pour, pour envisager ces canaux. Et à l'époque, ils tombent sur. Ben à l'époque, ces gens-là sont là venus pour faire un, un cadastre ils sont venus aussi pour mieux connaître un nouveau territoire qui va rentrer dans le royaume de France. Et on leur a aussi confié à la mission d'un plan de régénération, un plan de développement, un PADUC de l'époque, 1770. Premier PADUC. Voilà. Qui a fonctionné pour la partie, on va dire, mise en valeur, en partie hein, seulement. Et donc, l'idée, pour mettre en valeur la plaine, qui était insalubre, mais très riche hein, potentiellement, c'était de drainer tout ça avec un réseau de, de canaux qui servait donc à la fois au drainage, à l'élimination du paludisme, mais ça, ça n'a pas bien fonctionné, et puis aussi à l'irrigation, et même quelquefois pour en faire des voies navigables. Et donc, et donc on construit un grand canal qui rejoint. Donc, qui part de l'embouchure du Gaulle, qui se trouve tout près de nous, je l'ai dit tout à l'heure, qui part dans cette direction vers le nord, au sud de l'étang de, de, de Bigoul, les deux sont en connexion. Et nos amis, les géomètres du plan de terrier, qui suivent les travaux de près, découvrent, en tout cas leurs ouvriers découvrent euh, à 5 ou 600 mètres euh, du, de l'embouchure du Golo, le 17 avril 1777, ça fait 240 ans cette année, une épave, une épave exceptionnelle. Hop. Parce que sinon, il va nous raconter l'épave. Stéphane Orsine, c'est comme ça. Vous lui mettez la pièce et il est parti. Mais on n'a même pas besoin de lui mettre la pièce, il est parti. Cette, cette histoire d'épave, elle est exceptionnelle. Et oui, on en parlera un jour sur France 3 Corse via STL, sur nos réseaux sociaux. Et ça fera l'objet d'un reportage bien particulier. Mais ça vous tente d'en savoir plus. Vous voulez connaître l'histoire de cette épave Qu'est-ce que vous faites Puisqu'on est en direct. On est le 8 euh, oui. juin, on est jeudi. Vous êtes dans la région de Bastia. Alors. Cet après-midi, début d'après-midi, venez ici, faites un petit tour sur le site, et puis quand vous retournez à Bastia, qu'est-ce que vous faites Donc vous posez une demi-journée de congé pour cet après-midi, et ce soir à 18h, vous venez à l'auditorium du musée à Bastia où les amis du musée de Bastia m'ont demandé de faire une conférence justement sur le sujet de cette épave de Marianne. Et là, on saura tout, enfin tout, tout ce que l'on connaît actuellement euh, sur ce bateau et toutes les questions qu'on se pose, parce que ça va bien au-delà d'une épave. Hein. Oui, de, derrière l'histoire, entre guillemets, de l'épave, il y a toute une histoire sur l'activité euh, fluviale de l'époque. Et, et, et tout ça, ça se passe à partir de 18h 18 pile. pile. Euh, Auditorium alors, du musée de Bastia, entrée libre et gratuite, bien entendu. À chaque fois, c'est entrée libre et gratuite. Oui, Allez. Pas de patrimoine, c'est bien connu. C'est bien connu. Euh, et puis, puisque vous êtes euh, entre ce site et Bastia en début d'après-midi, vous pourrez aussi faire un petit tour sur la place Saint-Nicolas juste avant d'aller à la conférence. Place Saint-Nicolas cet après-midi et demain il y aura et il y a aujourd'hui euh, beaucoup de scolaires qui font euh, un, un grand tournoi d'échecs. C'est l'un des plus grands tournois au monde de masse. Ça tombe bien, on y sera avec Laurent Simon-Paul cet après-midi, nous aussi en direct. Stéphane, euh, on regarde, tiens, je te laisse le micro parce que je sais que tu vas réussir à parler. Pendant ce temps, moi, je regarde vite fait s'il y a d'autres questions concernant ce site. Et euh, vends-nous euh, la conférence de cet après-midi. Alors, la conférence de ce soir à 18h, euh, c'est une, une enquête, hein, carrément. Euh, L'archéologie, c'est toujours une enquête. Mais celle-là, elle démarre un peu comme une enquête de police où on, on cherche qui est le découvreur de cette épave. Euh, finalement, ce n'est pas celui qu'on croyait euh, au départ. On tombe sur un personnage qui qui est extraordinaire, qui va avoir une grande activité en Corse, mais également euh, qui va partir avec Napoléon, parce que c'est quelqu'un, c'est un continental, mais qui va beaucoup euh, être en contact avec la Corse, qui va partir avec Napoléon en Égypte, qui va être, euh, qui va finir sa vie euh, colonel, alors qu'il vient tout jeune ici euh, dans l'île avec les géomètres du terrier. Et euh, ensuite, on va euh, s'intéresser à la nationalité de l'embarcation et à l'explication possible de sa présence ici à Mariale. Écoutez, si avec ça vous n'avez pas envie d'aller à la conférence, c'est que vous n'avez aucune passion pour l'histoire de ce pays. c'est possible. Ce serait possible. <laughs> non, stéphane, tu nous le vends si bien. Euh, allez. le programme de la journée, venez faire un petit tour ici, venez faire un petit tour. on sera en direct avec vous. place saint-nicolas euh, avec les échecs et ensuite la conférence. merci, stéphane. on se retrouve bientôt sur notre page facebook pour une date à un lieu. et oui, bientôt on parlera aussi de cette épave dans un reportage bien particulier. à bientôt. à bientôt, yann. salut. Au